Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici Vincent Cadio. Nous sommes là aujourd'hui pour un workshop de haut niveau sur comment améliorer votre productivité. Alors, je veux déjà dire merci et profiter pour saluer toutes les personnes qui sont déjà connectées. Et on va démarrer. Alors, pour démarrer, j'aimerais juste que vous puissiez me confirmer que vous arrivez à voir mon PowerPoint. Est-ce que vous arrivez à avoir mon PowerPoint? Si vous arrivez à avoir mon PowerPoint, écrivez 5 sur 5 dans les commentaires. Si vous arrivez à avoir le PowerPoint, écrivez 5 sur 5 dans les commentaires. Si vous arrivez à avoir le PowerPoint, écrivez 5 sur 5 dans les commentaires. Très bien. OK. Je vois Vini qui dit 5 sur 5. Lydie qui dit 5 sur 5. Ok. Mister Sayus. D'accord. Donc, je pense que le PowerPoint s'affiche correctement. On va passer en mode plein écran. Voilà. Pour que vous puissiez avoir l'essentiel de l'information. Alors, mesdames et messieurs, nous allons rentrer directement dans le contenu. Vous devez comprendre que il y a 10 secrets pour devenir efficace et productif. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. J'en ai recensé jusqu'à 10. Est-ce que ce sont seulement les 10? Je ne sais pas. Mais de mon expérience et pour avoir été extrêmement productif et efficace au cours des 15 dernières années, ce sont les points les plus importants que j'ai pu relever. Et donc, pour moi, quelqu'un ne peut pas devenir efficace et productif s'il n'arrive pas à maîtriser ses 10 secrets. Alors, le premier secret pour devenir efficace et productif, mesdames et messieurs, c'est de définir les priorités. Vous ne pouvez pas être productif si vous ne savez pas définir les priorités. Ensuite, vous devez apprendre à gérer le temps. Tous ceux qui sont extrêmement productifs sont des gens qui arrivent à gérer extrêmement bien leur temps. Ensuite, vous devez apprendre à négocier les délais. Tous ceux qui sont productifs, ce sont des gens qui arrivent à rendre tout ce qu'on leur demande dans les délais parce qu'en fait, ils ont maîtrisé l'art de négocier les délais. Quatrième secret, c'est augmenter la vitesse d'exécution. Beaucoup de personnes ne sont pas productives parce qu'elles sont trop lentes. Et il y a des méthodes pour augmenter la vitesse d'exécution. Cinquième secret, c'est bien utiliser Google parce qu'aujourd'hui, dans ce monde digital et connecté, on a souvent besoin d'avoir recours à Internet. Et donc, tous ceux qui sont extrêmement productifs sont des gens qui maîtrisent parfaitement Google et arrivent à trouver tout ce qu'ils veulent en un temps très court. Sixième secret, c'est de bien utiliser Word et PowerPoint. Okay, aujourd'hui, ce sont pratiquement les deux logiciels avec lesquels vous allez travailler, hormis Excel. Excel, c'est vraiment pour certains calculs, etc. Mais généralement, vous allez travailler en Word ou vous allez travailler en PowerPoint. Donc, ceux qui sont extrêmement productifs sont des gens qui sont capables de produire des documents Word ou des documents PowerPoint à une vitesse incroyable. Et avec un niveau de qualité qui soit relativement exceptionnel. Septième secret, c'est que les gens qui sont extrêmement productifs, ils lisent vite et ils écrivent vite. Vous lui envoyez un mail de 50 lignes, en 3 minutes, la fille le lit et vous a déjà répondu. Vous-même, vous êtes étonné, mais comment c'est possible? Généralement, les gens qui sont extrêmement productifs, ils lisent vite, mais également ils écrivent vite. C'est-à-dire qu'en un temps très court, là où vous allez mettre 2 heures, 3 heures pour rédiger un compte-rendu de réunion, en 30 minutes, tu lui as fini son compte-rendu de réunion et il peut passer à autre chose. Donc, c'est un secret très important, apprendre à lire vite et apprendre à écrire vite. Huitième secret pour devenir efficace et productif, c'est d'améliorer son savoir-faire. Donc, les gens qui sont extrêmement productifs que je connais, ce sont des gens qui ont un savoir-faire poussé dans leur domaine d'activité. Ils sont extrêmement bons dans leur domaine d'activité. Neuvième secret, c'est améliorer son savoir-faire faire. Les personnes les plus productives que je connais sont des gens qui sont capables de tirer le maximum de profit des personnes qui travaillent avec eux et qui sont capables de transférer une partie de leurs connaissances à leurs collaborateurs de sorte à ce que les collaborateurs puissent réaliser une partie de leur travail pendant qu'eux, ils sont en train de réaliser une partie du travail, ce qui fait qu'in fine, ils arrivent à dégager beaucoup de temps. Et puis, dixième secret, les gens qui sont extrêmement productifs, généralement, ils arrivent à tirer le maximum de profit de leur équipe. Vous allez avoir deux personnes à qui on donne
le même nombre de staff dans leur équipe et vous allez avoir une personne qui finit toujours ses travaux avant le délai et vous allez avoir l'autre manager qui finit toujours ses travaux après le délai. Pourquoi? Parce que l'un d'eux sait tirer le maximum de son équipe, a appris à le faire pendant que l'autre n'a pas appris à le faire. Alors, dans le cadre de cette formation aujourd'hui, dans le cadre de ce workshop de haut niveau, on ne pourra pas voir les 10 éléments, mesdames et messieurs. On n'aura pas le temps de voir les 10 éléments parce que ça nous prendrait des heures. Et on a juste que quelques minutes à passer ensemble. Donc aujourd'hui, avec votre permission, nous allons voir trois des éléments les plus importants, trois blocs les plus importants dans comment devenir efficace et productif. Donc nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive à définir les priorités, qu'est-ce que vous devez faire en termes de priorité. Ensuite, comment augmenter votre vitesse d'exécution et enfin, comment bien utiliser Google. Je vais vous partager quelques astuces. Si vous êtes OK avec ça, écrivez « Oh yes » dans les commentaires. Si vous êtes OK avec ça, écrivez « Oh yes » dans les commentaires. Alors, on va passer de cet outil-là à un autre outil qui va permettre en fait de vous montrer un peu tout ce que j'ai prévu pour vous. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire le contenu? Il me semble que c'est un peu petit. Hein. Est-ce que vous arrivez à lire le contenu? Ou est-ce que je devrais zoomer un peu? Est-ce que vous arrivez à lire le contenu? Voilà. Est-ce qu'à ce niveau de zoom-là, c'est bon? Vous arrivez à lire le contenu? Ou bien est-ce qu'il faut que j'augmente un peu encore? D'accord. Je vois les commentaires entrer. C'est bon. C'est parfait, top, c'est bon, etc., 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 etc. OK. Très bien. Alors, on va utiliser ce petit outil-là. OK. Pour moi, lorsqu'il s'agit de parler de productivité et d'efficacité, il y a un nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte. OK. Donc, ce sont les 10 éléments. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut être productif? Tout ça, on ne va pas en parler. On va voir comment définir la priorité. On va voir, on va pas voir comment gérer son temps. On va voir comment travailler sur sa vitesse d'exécution. Lire vite, écrire vite, on n'aura pas le temps de le voir. Savoir faire, on n'aura pas le temps de le voir. Savoir faire, on n'aura pas le temps de le voir. Tirer le maximum de son équipe, on n'aura pas le temps de le voir. Et puis, on va prendre un peu de temps pour parler de Google. OK? Voilà. Donc, alors, comment définir? Au niveau des définitions de priorité, il y a plusieurs éléments, mesdames et messieurs, que nous devons voir. Le premier élément, en termes de définition de priorité, c'est une matrice qu'on appelle la matrice de Eisenhower. La matrice de Eisenhower. Il est dit que Eisenhower, qui était un général américain, en fait, il classifiait toutes les tâches en fait, en utilisant deux axes. Le premier axe, c'était vraiment tout ce qui était très important et pas important, donc sur l'axe horizontal. Et puis, sur l'axe vertical, il mettait très urgent en haut et pas urgent en bas. Et donc, ça faisait que finalement, ben, vous avez quatre zones qui sont définies comme zones. Vous avez la zone qui est très urgente et très importante. Très urgente, mais qui n'est pas important. Vous avez la zone de ce qui n'est pas urgent et qui est très important. Et vous avez la zone de ce qui n'est pas urgent et qui est important. Mesdames et messieurs, vous ne pourrez jamais être extrêmement productif si vous n'apprenez pas à classifier toutes les tâches que vous avez à faire sur ces deux critères, très urgent et très important. Urgent et important, c'est fondamental, c'est non négociable. Il n'y a personne que vous voyez qui est extrêmement efficace et extrêmement productif qui ne pratique pas cette méthode de classification et de priorisation de ces actions. Alors, lorsque vous arrivez le matin, mesdames et messieurs, vous devez faire votre to-do list. La to-do list, c'est la liste de toutes les tâches que vous avez à réaliser, etc., etc. OK? Donc, vous écrivez la liste de toutes les tâches et après, vous classifiez les tâches. Et donc, vous pouvez décider qu'une tâche, par exemple, est très urgente et très importante. Une autre tâche est très urgente, mais elle n'est pas importante. Une tâche n'est pas urgente, mais elle est très importante. Une tâche n'est pas urgente et elle n'est pas importante.
Alors, si on peut prendre un exemple de ce qui est très urgent et qui est très important, ça peut être par exemple, supposons que vous travaillez à la comptabilité, vous devez déposer les états financiers au service des impôts. Donc, et vous êtes seulement à 2 heures de la date limite, sinon après ça, vous payez une pénalité. Donc, déposer ce document-là, c'est très urgent et c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut appeler comme tâche qui est très urgente mais qui n'est pas importante? Le pas important, il faut le considérer comme pas important pour nous personnellement en tant qu'individu. Donc, moi, je peux être en train de travailler sur des choses et mon patron peut avoir besoin de quelque chose. Donc, pour mon patron, ça peut être très important pour lui. Mais pour moi, ce n'est pas très important parce que ce n'est pas quelque chose qui est sous ma responsabilité. Mais par le simple fait que mon patron me demande de travailler là-dessus, c'est devenu quoi? Très urgent. Parce que généralement, si mon patron il a le temps de le faire, il le fait. Mais quand mon patron me demande de l'assister dans la réalisation d'une tâche en particulier, ça veut dire que la tâche est devenue très urgente. Donc, tout ce que vous allez recevoir comme tâche, comme demande de la part de votre supérieur hiérarchique, ce sont des tâches qui généralement sont très urgentes, mais pas forcément très importantes pour vous, mais qui sont très importantes, qui sont pas importantes pour vous, mais qui sont très urgentes pour votre boss. Donc, ce qui est très important pour vous et qui est très urgent, ça figure dans la première catégorie ici. Très urgent, très important. OK? Ça figure ici. Ce qui n'est pas très important pour vous, qui ne relève pas forcément de vos activités, de vos attributions, mais qui vous a été demandé par votre supérieur hiérarchique, ça rentre dans la catégorie de ce qui est très urgent, mais qui n'est pas important. Ensuite, vous avez la troisième catégorie, c'est ce qui n'est pas urgent, mais qui est très important. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être votre rapport mensuel. OK? Tous les mois, vous devez préparer un rapport mensuel que vous devez envoyer à votre supérieur hiérarchique. Vous savez très bien que tous les mois, vous avez jusqu'au 5 pour préparer le rapport. Donc, un rapport, c'est très important parce qu'il permet de suivre comment évolue l'activité, etc., etc. Mais ce n'est pas urgent parce qu'il arrive une fois par mois. Donc, vous n'êtes pas surpris qu'on vous demande de faire un rapport. Mais la majorité des gens, en fait, vont procrastiner sur ces rapports-là et ces rapports vont quitter la colonne de pas urgent, mais très important pour rentrer dans la colonne très urgent et très important. Et vous êtes... Généralement, les rapports, c'est des choses... On sait très bien qu'on doit le faire, mais on traîne parce que ce n'est pas urgent. Et puis, vous avez la dernière catégorie de tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. OK? Donc, supposons que vous avez reçu des dossiers, vous avez traité des dossiers, et puis bon, voilà, les dossiers sont empilés. Les dossiers ne sont peut-être pas classifiés par ordre alphabétique. OK? Bon, ce sont des dossiers qui sont là. Si quelqu'un a besoin, vous savez où trouver. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore classé par ordre alphabétique. Donc, classer les dossiers par ordre alphabétique, ce n'est pas urgent. Peut-être c'est important, mais pour l'instant, ce n'est pas important parce que ça ne vous empêche pas de travailler. OK? Donc, ça, c'est une chose que vous pouvez faire, par exemple, quand vous avez un peu de temps. Donc, ce n'est pas urgent, ce n'est pas très important, ce n'est pas critique. Ce n'est pas parce que les dossiers sont là, mais ils ne sont pas classés par ordre alphabétique, que, bon, voilà, il y aura le flux à la maison. Qu'est-ce que vous devez faire sur chacune des tâches? Quand vous avez les tâches qui sont très urgentes, très importantes, quand vous arrivez le matin, c'est une tâche à traiter en priorité. Tant que vous n'avez pas compris avec tout ce qui est très urgent et très important. Okay? Ce qui est très urgent, mais qui n'est pas important, ça dépend de votre boss, etc. Vous devez le boucler et le transmettre. Donc, ma priorité, c'est de finaliser tout ce qui est très urgent et très important et ensuite de faire tout ce que mon patron m'a demandé de faire en urgence. Ma priorité ne sera pas de faire tout ce que mon patron m'a demandé de faire en urgence et de laisser ce qui est devenu très urgent, très important. Parce que si je fais le de faire ce que mon patron m'a demandé de faire en urgence, sans avoir bouclé ce qui était pour moi très urgent, très important, c'est le même patron qui va venir me demander, mais pourquoi tu n'as pas déposé les états financiers? Pourquoi tu n'as pas déposé les états financiers? J'ai dit oui, mais boss, je m'apprêtais à finir les états financiers, et puis tu m'as demandé de faire ça, etc. J'ai dit oui, mais c'est moi qui t'ai demandé, mais tu sais que les états financiers, c'est très important. Pourquoi tu n'as pas déposé les états financiers? Tu peux avoir une demande d'explication juste pour ça. Donc, mesdames et messieurs, comprenez très bien que ce qui est très urgent, qui est très important, c'est la priorité et c'est la top priorité. Donc, si votre patron vient vous dire, OK, laisse ce que tu es en train de faire, tu dois faire ce travail pour moi parce que j'en ai besoin. Tu dis, boss, je ne peux pas actuellement me consacrer à cette activité que tu me demandes parce que je dois déposer les états financiers. Il nous reste 2 heures. Si elle n'est pas déposée, l'entreprise va prendre une amende. Et dans ma fiche de poste, il n'est pas dit que moi, je dois laisser l'entreprise prendre des amendes. Donc, je comprends que ton travail est très important, mais je dois finir les états financiers, les déposer et puis ensuite je me mets sur ton travail. Votre patron va vous respecter pour ça parce que vous avez une très bonne connaissance du sens des priorités. Votre patron va vous respecter pour ça. Ou alors le patron peut vous dire, OK, c'est vrai, hein,
Mais bon, donne cette tâche-là à telle personne qui va finaliser. Toi, viens faire ceci. À partir de ce moment, c'est le patron qui a changé la priorité pour vous. Mais si le patron ne fait pas ça, vous devez être focus sur ce qui est très urgent et très important. Vous le bouclez. Ensuite, vous attaquez tout ce qui est très urgent, mais pas important pour vous, et vous bouclez et vous transmettez. Ensuite, quand vous avez fini tout ça, vous attaquez ce qui est pas urgent, mais qui est très important. Par exemple, les reports dimensionnels. Donc, vous prenez maintenant votre temps pour avancer progressivement et avec soin. Vous savez que vous devez présenter le reporting. Donc, vous devez collecter les données, mettre les données en forme, traiter les données, analyser les données, interpréter les données, chercher des informations complémentaires. Vous le faites avec soin. Mais ce genre de reporting, on ne le fait pas à l'acte. On n'est pas en train de courir quand on est en train de faire ce genre de reporting. Non, ce n'est pas bon. Sinon, vous allez laisser des erreurs. Et il n'y a rien de plus désagréable que vous envoyez un rapport sur lequel vous êtes censé avoir travaillé pendant un mois et puis ensuite il y a des erreurs à l'intérieur. Ça vous décrédibilise incroyablement. Donc, mesdames et messieurs, quand vous arrivez le matin, bouclez les urgences et après ça, concentrez-vous sur ce qui est très important mais qui n'est pas forcément urgent parce que le délai peut être un peu long. Et puis, quand vous avez fini de faire tout ça, si vous avez le temps, bien, vous pouvez vous consacrer maintenant aux tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Généralement, ce sont des tâches que moi, je vous recommanderais de déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez un assistant, un stagiaire, etc., ben, c'est à lui que vous devez demander, bon, qu'il prend les dossiers, il va les classer par ordre alphabétique, etc., etc. Vous n'allez pas consacrer de votre temps pour faire ça. OK? Donc, ça, c'est la matrice Eisenhower, c'est vraiment très, très important. Mesdames et messieurs, c'est vraiment très important lorsque on décide de définir ses priorités. Deuxième élément dont je veux parler rapidement, c'est que vous devez apprendre à négocier les délais. OK? Vous devez apprendre à négocier les délais en utilisant la technique des 4 RE, hein, ou les 4 R. Voilà, je ne sais pas si tout le monde entend bien, si tout le monde me suit. OK? Voilà, la technique des 4 R. Dans la négociation des délais, mesdames et messieurs, lorsque vous avez fini de faire la liste de toutes les tâches que vous avez à réaliser, vous les avez classifiées en fonction de celles qui sont urgentes, importantes, etc. Et vous commencez à les réaliser. Et on vous envoie une tâche supplémentaire qui n'était pas prévu. À partir de ce moment-là, vous devez faire ce qu'on appelle reprioriser. OK? Vous demandez à votre patron ou à la personne qui vous demande de faire la tâche, OK, mais quelle est l'urgence? Quel est le délai pour pouvoir rendre ce document? OK, bah, moi, je vais le rendre au plus tard à 11h. Je vais le rendre à 11h. OK, mais j'avais déjà prévu rendre tel autre document à 11h. Donc, on va reprioriser. Ce document qui est arrivé prend une priorité supérieure par rapport à un autre document. OK? Donc, ça c'est le premier reprioriser. Vous devez reprioriser. Quand vous avez fini de reprioriser, c'est-à-dire de donner une priorité supérieure à quelqu'un qui vient d'arriver après, vous devez replanifier les délais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 3 tâches à rendre. La tâche numéro 1, je dois la rendre à 10h. La tâche numéro 2, je dois la rendre à 13h. La tâche numéro 3, je dois la rendre à 17h. OK? 10h, 13h, 17h. Et puis, subitement, au cours de la journée, mon patron vient et me dit, voilà une tâche numéro 4. Et je me rends compte que la tâche numéro 4 a la priorité numéro 2. Donc, la tâche numéro 4 va prendre la priorité numéro 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois travailler sur ma priorité numéro 1, au plus tard à 10h, j'ai fini. Je dois me concentrer pour travailler sur ma tâche numéro 2. Et j'allais pouvoir la rendre à 13h. Mais on m'a demandé de travailler sur la tâche numéro 4. Donc, la tâche numéro 4, maintenant, je vais la replanifier. Donc, la tâche numéro 4, elle, je vais la finir à 13h. La tâche numéro 2, je vais la finir à 17h. Et la tâche numéro 3, qui devait normalement finir à 17h, ben je serai obligé de la finir peut-être à 21h. Donc, ça veut dire je suis obligé de rester au travail jusqu'à 21h. Parce qu'on m'a demandé de faire une quatrième tâche qui n'était pas dans ma to-do list. Donc, je fais ce qu'on appelle la replanification. Quand j'ai fini de replanifier, mesdames et messieurs, à votre niveau, mais vous devez informer les gens qui attendent le document que vous avez à produire. Donc, par exemple, le gars qui attendait la tâche numéro 2 à 13h, mais il ne va plus recevoir sa tâche numéro 2 à 13h, il va la recevoir maintenant à 17h parce qu'on m'a confié une tâche numéro 4 qui est plus importante. Donc, vous devez prendre votre téléphone, appeler cette personne et lui dire, écoute, je t'avais promis de rendre tel document à 13h, mais je ne pourrais pas te le rendre à 13h parce qu'on m'a demandé de faire quelque chose d'autre, je vais te le rendre à 17h. Celui qui attendait la tâche numéro 3, à 17h, vous l'appelez pour lui dire, écoute, tu ne vas pas recevoir ta tâche numéro 3 à 17h, tu vas la recevoir plutôt à 22h. Parce qu'on m'a confié une autre chose. Ça fait quoi? Ça fait que la personne qui vous attendait à 13h, ben, peut commencer à faire autre chose. C'est que son document va venir à 13h, mais son document
à minuit à 17h. Donc, la personne peut s'organiser. Peut-être que la personne attendait ce document à 13h et elle aussi, elle a donné un délai à 16h à quelqu'un d'autre parce qu'elle avait du travail à faire avec l'information que vous allez lui donner. Donc, quand vous dites, OK, finalement, moi, je vais t'envoyer ton document à 13h, mais ça va venir à 17h, lui également, il peut replanifier avec ses interlocuteurs pour dire, bon, finalement, le document que je vais recevoir de Vincent, ça va venir à 13h, ça va venir plutôt à 17h. Donc, ce que j'avais prévu de t'envoyer à 16h, ben, je ne pourrais pas t'envoyer ça aujourd'hui, j'ai envoyé ça demain à 9h. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc, ça fait que toute l'organisation, en fait, se réorganise parce que chacun est professionnel et chacun donne des délais. Troisième c'est rediriger. Et ici, je dis rediriger vers le bon interlocuteur. Supposons que ben, quelqu'un vient me demander de faire une tâche. Moi, je suis au marketing. Et quelqu'un vient me demander de faire un travail du contrôle de gestion. Je ne vais pas juste prendre la tâche du contrôle de gestion et commencer à la faire. Non. Je vais lui dire, écoute, cette tâche, ça, c'est pas à moi de faire ça. C'est au contrôle de gestion de faire. Donc, va les voir. S'il comprend, ah ok, je ne savais pas, il retourne, vous avez libéré du temps, vous êtes en train de travailler sur ce qui vous concerne. Ou alors la personne peut dire, effectivement, c'est vrai, c'est le contrôle de gestion qui va faire, mais j'aimerais que tu puisses, toi, travailler dessus. Ok? Donc, si il te dit, j'aimerais que toi, tu puisses travailler dessus, automatiquement, tu dois faire quoi? Tu dois repartir sur le premier rue, tu dois reprioriser. Écoute, tu veux que je travaille sur ça? J'ai 5 choses à faire avant de quitter ici. Donc, ta chose là, je ne pourrais pas la faire aujourd'hui. Je vais la faire peut-être demain à partir de 15h. Est-ce que tu es d'accord? S'il dit oui, je suis d'accord. OK, donc vous replanifiez cette chose-là pour demain 15h plutôt que de rester jusqu'à 21h aujourd'hui. OK? Si la personne dit non, je ne peux pas attendre jusqu'à demain 15h. Il faut que j'aie ça au plus tard avant 17h. Vous dites, bon, OK, mais moi, mon boss m'a demandé de rendre ça, je ne peux pas. Donc, va voir mon boss. Si mon boss est d'accord, que je laisse ce que j'avais prévu faire pour faire cette activité, il me fait juste un mail, il me dit qu'il est OK et que moi je vais travailler dessus. Vous êtes toujours en train de faire quoi? Reprioriser, replanifier, rediriger vers le bon interlocuteur. OK? Ça, c'est le troisième rôle. Le quatrième rôle, mesdames et messieurs, c'est rejeter. C'est inutile. Si quelqu'un vient vous demander de faire une action qui n'a pas de sens, qui est totalement inutile, qui ne sert absolument à rien, vous n'allez pas vous asseoir pour faire cette tâche-là alors que vous savez pertinemment que ça ne sert absolument à rien. OK? Donc, si par exemple, on avait décidé de travailler avec un fournisseur A, et pour travailler avec le fournisseur A, on devait finalement aller faire une visite de son entreprise, etc., etc., faire beaucoup de choses. Et puis, bon, finalement, le groupe nous dit, ben, on ne va plus travailler avec le fournisseur A, vous allez travailler avec le fournisseur groupe. OK? Lui, on a déjà vérifié qu'il a le niveau de compétence qu'on veut, etc., etc. Donc, désormais, vous allez travailler avec le fournisseur groupe. Donc, à partir de ce moment-là, mais vous n'avez pas à prendre cette tâche-là d'aller encore visiter le fournisseur local alors qu'il était décidé que c'est le fournisseur groupe que vous allez utiliser. Donc, quand une tâche comme ça se présente, vous devez la rejeter parce qu'elle est totalement inutile. OK? Une partie de votre travail, ça sera de rejeter certaines choses. Si vous, dans votre travail, vous ne pouvez absolument rien rejeter, vous avez un gros problème. OK? Vous avez un très gros problème. Donc, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on négocie les délais. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Donc, je vous ai expliqué le principe de la négociation des délais. Maintenant, comment est-ce qu'on négocie les délais avec le N plus 1, c'est-à-dire votre supérieur hiérarchique? Et comment on négocie les délais avec le N moins 1? Quelle est l'attitude que nous devons avoir en termes de définition des priorités, en termes de gestion, en termes d'efficacité, lorsque notre N plus 1 nous demande de faire quelque chose? OK? Lorsque notre N plus 1 nous demande de faire quelque chose, un supérieur hiérarchique, on négocie un délai et on transmet. Donc, mon boss me voit, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. OK, il n'y a pas de problème. Je peux te donner ça mardi prochain. Mardi prochain, c'est long. Et tu peux faire ça pour vendredi. OK. Essayez de voir ça samedi. Non, j'aurai 2 heures vendredi. En plus, ta crise, d'accord. Donc, vendredi, à midi, tu vois. Je vais te négocier un délai. OK. Chaque fois que votre supérieur hiérarchique vous demande de faire quelque chose, négociez un délai. Si vous n'avez pas besoin de, si c'est quelque chose que vous pouvez faire immédiatement, vous le faites. Mais si vous vous rendez compte que vous avez d'autres tâches à terminer avant de pouvoir attaquer cette tâche, vous négociez systématiquement un délai. C'est comme ça qu'on travaille avec son N plus 1, mesdames et messieurs. Ce n'est pas parce que c'est le N plus 1 que tout ce qu'il dit, on doit l'exécuter instantanément. Vous négociez toujours un délai. Ensuite, le N moins 1. Le N moins 1, c'est toutes les personnes qui dépendent de vous. OK? Donc, quand un de vos collaborateurs vous envoie un document et il a besoin, par exemple, que vous puissiez signer, il a besoin que vous puissiez regarder, il a besoin que vous puissiez donner un avis, etc., etc. Mesdames, messieurs, je vous encourage à répondre rapidement et à lui fixer un délai. OK? Ce que vous devez faire en tant que manager, vous devez faire le ping-pong.
C'est-à-dire que je te demande de faire quelque chose, quand tu m'envoies, je me regarde, je te dis, ok, va corriger ça, j'ai besoin de ça à telle heure. Ok? Et le collaborateur s'en va, il corrige ça, il ramène, ok, bon voilà, mais ça c'est pas bon, ramène encore, j'ai besoin de ça pour plus tard demain à 8 heures, etc. etc. Quand il vous envoie que c'est bon, pas vous savez que c'est bon, automatiquement vous passez, vous remontez ça à votre supérieur hiérarchique et vous lui confiez une nouvelle tâche. Ok? Donc, ne soyez pas le genre de supérieur hiérarchique qui, quand tu lui envoies un document, il faut prier quoi? Il faut prier pendant des années pour qu'il te réponde. S'il doit te donner un avis sur un document, il faut vraiment aller faire jeûne et prier parce qu'il n'a pas l'habitude de répondre, etc. Non, ne soyez pas ce type de supérieur hiérarchique. Lorsque vous êtes un supérieur hiérarchique efficace et performant, dès qu'on vous envoie quelque chose, vous regardez, si ça nécessite une réponse, vous répondez plus, vous avancez. Ok? Voilà. Dernier élément dans la définition des priorités, mesdames et messieurs, sur lequel je voudrais insister, c'est noter tout. Vous devez apprendre à noter tout ce qu'on vous demande comme action à faire. Mesdames et messieurs, oublier en entreprise est une faute grave. Oublier en entreprise est une faute grave. On peut te demander, prépare tel document. Si tu oublies, tu n'as pas préparé le document, ça peut être considéré comme une faute lourde et on peut te licencier pour ça. On peut te dire, bon, ok, mais écoute, appelle tel fournisseur pour mettre du carburant dans le véhicule. Et tu as oublié d'appeler le fournisseur. Ou alors tu as appelé le fournisseur, son téléphone ne passait pas et puis finalement tu n'as pas rappelé. Et ensuite tu as oublié. Et le jour J, on démarre l'animation, le véhicule s'éteint. Et puis on dit, mais Vincent, on t'a demandé d'appeler le fournisseur pour mettre du carburant dans le véhicule. Où est le carburant dans le véhicule? Si ta seule réponse est « j'ai oublié », tu peux être licencié pour ça. Donc, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas une bonne mémoire, une mémoire qui retient tout, avec l'âge, mesdames et messieurs, on ne retient pas 100% de ce qu'on entend. Ayez toujours un bloc-notes pas loin pour noter tout ce qu'on vous demande. Que ce qu'on vous demande soit écrit dans un email, que ce qu'on vous demande soit dit oralement, au cours d'une réunion, que ce qu'on vous demande soit une recommandation d'un supérieur hiérarchique dans les couloirs, vous devez absolument tout noter et pouvoir définir des priorités. Exécuter, livrer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, mesdames et messieurs? Est-ce que jusqu'à présent, ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on veut dire quand on dit définir ses priorités? Est-ce que tout le monde a bien compris? Si tu as bien compris, écris oh yes dans les commentaires. Ok, alors on va passer rapidement à un deuxième élément de productivité. Que j'ai baptisé la vitesse d'exécution. Ok? Voilà. Dans la vitesse d'exécution, pour moi, il y a quatre éléments dont je voudrais vous parler rapidement, mesdames et messieurs. C'est de prendre l'habitude de travailler vite. Ok? Vous devez prendre l'habitude de travailler vite. Je vois malheureusement beaucoup de personnes qui ont du mal à travailler vite ou qui n'aiment pas travailler vite. Vous ne pouvez pas être considéré comme quelqu'un d'extrêmement productif si vous ne prenez pas l'habitude de travailler vite. Ok? Donc, comment je me fais? Je me fixe des challenges personnels. On peut me donner par exemple une semaine courante de travail, mais moi je décide de rendre ce travail en 3 jours. Et donc parce qu'il y a des idées de rendre ce travail en 3 jours, ben, ça m'oblige à travailler rapidement. Si elle devait faire des recherches, ça m'oblige à faire des recherches. Si elle devait aller voir des gens, ça m'oblige à aller voir les gens. Si elle devait faire tout ce que je devais faire, en fait, ça m'oblige à le faire immédiatement parce que j'ai décidé moi personnellement, sans que quelqu'un ait décidé à ma place de raccourcir ce délai. Moi seul, je raccourcis le délai et je décide de travailler vite. Ok? Donc vous devez fixer des challenges personnels de type. Ce rapport que tout le monde rend le 5 du mois, moi je rends mon rapport le 2 du mois. Ce rapport que tout le monde rend le 15 du mois, moi je rends mon rapport le 3 du mois. Okay? C'est un défi personnel que vous fixez et vous travaillez à tenir ce défi personnel. Prenez l'habitude, mesdames et messieurs, de travailler rapidement. Okay? Un patron va toujours préférer le gars qui lui rend un travail, un rapport, et puis peut-être qu'il y a encore des insuffisantes qui veulent prendre des feedbacks. Et puis ensuite, il s'en va plutôt que le gars qui ne fait jamais de feedback rapide et c'est à la dernière minute, tu te rends compte que son travail est merdique. Ok? Si vous avez déjà managé des gens et que vous avez été dans cette situation, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Vous préférez 1000 fois un collaborateur, vous lui donnez le travail, il ramène le travail, il y a des insuffisants, vous lui dites, bon, va changer ça, va changer ça, va changer ça, va changer ça. Il s'en va, il revient, il y a encore des insuffisants, vous dites, va changer, va changer. Vous préférez ça plutôt que le collaborateur qui attend la dernière minute où vous avez absolument besoin du document et vous envoie un document qui n'est pas bon. Ok? Donc, fixez-vous des charges personnelles, travaillez vite, faites des feedbacks fréquents à votre supérieur hiérarchique et vous allez voir qu'il va apprécier travailler avec vous. Ok? Il va se rendre compte que ben, vous êtes quelqu'un de très efficace, de très productif. Ensuite, pour que ça reste intéressant, vous devez vous auto-récompenser en cas d'atteindre l'objectif. Qu'est-ce que j'entends par s'auto-récompenser?
En fait, je vais dire que si je me fixe un objectif, par exemple, je me dis, je vais arriver à rapport en 5 jours, mais je me dis, j'ai le rendre en 3 jours. Et qu'en 3 jours, j'arrive à le rendre, effectivement, ben, je me fixe une récompense. Je me dis, c'est super, Vincent, pour avoir réussi à rendre ce rapport-là en seulement 3 jours, ben, je m'offre une nouvelle montre. Je vais m'acheter une montre, puis bon, voilà, je me dis, ça, c'est mon cadeau parce que je suis arrivé à relever tel challenge. Ça peut être aussi simple que ça. OK? Donc, vous vous auto-motivez, vous auto-récompensez parce que vous arrivez à battre des records de vitesse. Mesdames et messieurs, vous devez bâtir votre renommée par votre vitesse d'exécution. On doit tout dire de vous. Oh, le gars là, il est un peu gonflé. Oh, le gars là, il est lent. Mais on ne doit jamais dire que le gars là, il est trop lent. Trop lent. Combien de chefs vous voyez dans les entreprises qui sont lents? Citez-moi le nom d'un seul chef qui est lent. Il n'y a personne. À moins que ce soit un gars qui arrive par pilage, mais qu'on est parachuté, etc. Mais que ce soit dans l'administration publique. Mais généralement, la majorité des chefs sont des gens qui ont la réputation d'être des gens qui travaillent vite. OK? Donc, si vous avez envie de progresser, de devenir extrêmement productif, bien, vous devez vous bâtir cette réputation-là de quelqu'un qui travaille vite. Deuxième élément très important au niveau de la vitesse d'exécution. C'est par exemple d'avoir votre sélection musicale. Il y a certaines personnes pour travailler ont besoin de se mettre dans un état particulier. OK? Dans un état particulier qui fait que, bon, avec la musique qu'ils aiment, etc., ils arrivent à travailler. Si c'est le cas, mais ayez votre sélection musicale. Quand vous arrivez au travail, etc., vous mettez votre sélection musicale et vous commencez à travailler. Vous allez battre les records de vitesse. Si on vous envoie 100 documents, vous devez lire et analyser. Et généralement, ça vous prend toute une journée. Vous dites, aujourd'hui, je vais essayer de filmer tout ça avant 14 heures. Mettez votre musique à fond dans vos oreilles. Automatiquement, vous commencez à travailler. Si vous travaillez par exemple dans un endroit, vous avez un open space, et que vous êtes une dizaine de personnes dans un seul bureau, bien, vous avez votre casque, mettez votre musique dans votre téléphone, vous mettez ça dans vos oreilles pour ne pas déranger vos voisins. Et puis, vous commencez à travailler. Okay? Donc, vous ne pouvez pas juste être là, et puis être là, et puis être lent, être nonchalant. Non, non, non. Si vous avez besoin de votre musique favorite pour pouvoir être efficace, bien, mesdames et messieurs, mettez la musique et puis commencez à travailler. Ok, cherchez votre artiste préféré, puis mettez sa musique à fond dans vos oreilles. Ça vous inspire et puis vous commencez à travailler. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Troisième élément, au niveau de la vitesse d'exécution, vous devez apprendre à être focus. Ok, vous devez apprendre à être focus. Arrêtez de multitask. Arrêtez de faire plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas efficace, mesdames et messieurs. Ce n'est pas efficace. On peut penser que c'est efficace. Non, mais je suis en train de faire ça. Ah, attends, maintenant j'ouvre une autre fenêtre pour faire ça. Ah, maintenant j'ouvre une autre fenêtre pour faire ça. À la fin, vous pensez que vous avez fait beaucoup de choses. Mais quand vous avez fait le bilan de la journée, vous avez fait seulement 5% de chaque tâche. Alors que si vous étiez concentré pour faire seulement une seule tâche, vous auriez bouclé 100% d'une tâche et peut-être 100% d'une deuxième tâche. OK? Donc, il n'est pas efficace de faire plusieurs choses en même temps, mesdames et messieurs. Changez cette habitude. Prenez une chose et terminez-la. OK? Voilà. Et puis également, vous devez être focus avec deal également, apprendre à commencer et à terminer dans le délai imparti. Ne soyez pas celui qui vient toujours négocier de nouveaux délais, celui qui vient demander toujours des rallonges, celui à qui on donne des délais, mais on sait qu'il ne va jamais respecter les délais. Ne soyez pas ça, ne soyez pas cette personne-là. Soyez quelqu'un qui se dit, si on m'a donné 2 heures pour le faire, je dois finir en 2 heures. Et que tu puisses finir en 2 heures, mais tu dois être focus. Être focus, ça veut dire que tu vas laisser ton téléphone. Être focus, ça veut dire que tu n'as pas discuté 15 minutes dans la cafétéria. Être focus, ça veut dire que tu ne vas pas prendre 15 minutes pour discuter au téléphone avec ta chérie ou bien avec la boue que tu es en train de draguer. Être focus, ça veut dire que tu n'as pas passé 45 minutes au téléphone avec ta maman en train de discuter d'un problème que vous pouvez régler le soir. Être focus, ça veut dire que tu n'as pas descendu toutes les 5 minutes pour aller voir si un livreur Glovo est là, etc. parce que ton téléphone est éteint. Non, tu vois, c'est pas sérieux. OK? Être focus, c'est vraiment éloigner toutes les distractions, s'asseoir et bosser. Vous êtes payé, mesdames et messieurs, pour bosser. Est-ce qu'on attend de vous, c'est tout? Ensuite, dernière stratégie au niveau de la vitesse d'exécution, vous devez faire le maximum quand l'énergie est haute. Mesdames et messieurs, chacun a son corps. Et il y a certaines personnes que je connais, eux, le matin, leur niveau d'énergie est high. C'est le matin que leur niveau d'énergie est très élevé. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de tout déchirer. Il y a des personnes qui, le matin jusqu'à 13h, 14h, leur niveau d'énergie est fort, mais à partir de 15h, 16h, ces personnes-là n'ont plus d'énergie. Donc, si tu places une réunion à 16h, tu n'auras pas toute l'énergie de la personne parce que la personne est... Oui? Parce que la personne n'a plus d'énergie. Je connais d'autres personnes, par contre, qui, la journée, etc., sont un peu nonchalantes, mais elles ont besoin de prendre un ou deux cafés aux alentours de 10 heures. Paf, c'est comme si on venait de les animer.
Il y a des personnes qui sont efficaces la nuit, qui travaillent la nuit. Il y a des personnes qui sont efficaces à 1h du matin. Bref, moi, je ne sais pas à quelle heure vous êtes efficace. Mais apprenez à connaître les moments, vos moments d'inspiration. Apprenez à connaître le moment de la journée à partir duquel ou au moment duquel vous êtes extrêmement inspiré ou vous sentez plein d'énergie. Apprenez à reconnaître ces moments. Et lorsque vous sentez que vous êtes dans ce moment-là, dans cette vibe-là, automatiquement commencez à bosser comme un malade. Vous allez voir que, en fait, vous allez atteindre un état. C'est comme un état qu'on appelle, on appelle cet état-là le flow. OK? On appelle cet état-là le flow. Le flow, en fait, c'est-à-dire que lorsque vous commencez, vous êtes en train de réfléchir à un sujet, vous êtes en train de chercher, par exemple, une solution à un problème ou vous êtes en train de réaliser une tâche. Au début, lorsque vous commencez, la tâche peut être relativement un peu difficile. La solution peut ne pas être forcément évidente. Et puis, à un moment donné, plus vous continuez à réfléchir, plus vous continuez à travailler, vous arrivez à un état dans lequel, en fait, tout s'aligne, en fait, où tout devient clair dans votre tête, où la démarche est claire, où ce que vous avez à faire est extrêmement clair et vous le faites facilement et chaque chose que vous faites est parfaite. OK? Donc, quand vous atteignez cet état de flow-là, ben, vous devez rester dedans le maximum. Et ne pas sortir de là, ne pas vous laisser distraire par un appel, ne pas vous laisser distraire par quelqu'un qui vous parle, etc. C'est temps de rester dans le flow parce que quand vous atteignez l'état de flow, vous arrivez à réaliser en quelques minutes ce qui vous aurait pris normalement des heures sans flow. OK? Donc, apprenez à reconnaître vos moments d'inspiration et travaillez dedans. Moi, j'ai écrit 24 ouvrages, mais comment j'ai écrit mes 24 ouvrages? Parce que je sais reconnaître mon flow. Quand j'arrive à cet état-là où j'ai une inspiration sur un livre que j'ai envie d'écrire, tout ce que j'ai envie de dire, les mots que je dis arrivent clairement dans mon esprit, mais je laisse tout. Je prends mon ordinateur, je parle à plus personne et je commence à écrire. Et dès que je finis d'écrire, quand je mets le point, je me dis, paf, c'est parfait. Quand après je lis, je dis, ouais, petit et dangereux. OK? Même les formations que je décide de préparer, etc., etc. Mais je réfléchis, mais quand je sens le flow, automatiquement, je me mets à travailler. Donc vous devez comprendre, vous devez apprendre à vous connaître. Être efficace, c'est vraiment ça, apprendre à se connaître. Donc certains, c'est très tôt le matin, d'autres, c'est très tard la nuit. Mais vous devez apprendre à faire le maximum lorsque votre énergie est haute. Je connais personne qui n'a pas une énergie haute. Je connais personne dont l'énergie est basse du matin au soir. Non, ce n'est pas possible. OK? Il y a forcément à un moment donné où votre niveau d'énergie monte. Apprenez à reconnaître ce moment et puis apprenez à rester à l'intérieur. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des gens qui apprennent quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui apprennent quelque chose? Si tu apprends quelque chose, écris « Oh yes » dans les commentaires. Si tu apprends quelque chose, écris « Oh yes » dans les commentaires. Si tu apprends quelque chose, écris « Oh yes » dans les commentaires. Voilà. Et on va terminer rapidement, mesdames et messieurs. On ne pourra pas faire les 10 éléments, mais je vais terminer rapidement avec le dernier élément, Google. Vous devez apprendre à utiliser, mesdames et messieurs, Google. N'hésitez pas à utiliser Google parce que presque tout y est. Mais la majorité des gens perdent énormément de temps sur Google parce que les gens ne savent pas chercher. OK? Parce que les gens ne savent pas chercher. Alors, vous devez apprendre à savoir chercher sur Google. Sur Google, vous avez la possibilité de savoir chercher, par exemple, un type de fichier en particulier. OK? Donc, il y a une commande qui s'appelle FileType:// OK? Et qui vous permet de trouver des documents dans une extension donnée. Donc, si vous cherchez, par exemple, un document .doc, un document Word, vous pouvez taper ce que vous êtes en train de chercher et puis vous mettez FileType:// ça va vous sortir des documents en Word. OK? Donc, ça peut être, par exemple, vous êtes en train de chercher un modèle de contrat. Vous tapez FileType:// modèle de contrat, ça va sortir. Et ça va sortir un document Word. Ça ne sera pas les pages HTML, ça sera les documents Word. Vous pouvez taper, par exemple, modèle de CV, FileType:// ça va sortir là-bas. OK? Ça, c'est les points doc. Ensuite, si vous cherchez un document qui est au format Excel, comme par exemple une facture, un exemple de facture, un modèle de facture, un modèle de tableau de bord, etc. Mais vous tapez facture, vous tapez FileType:XLS, normalement, ça va sortir des fichiers qui sont en format Excel. Si vous cherchez par exemple des ouvrages en PDF, des e-books, des livres électroniques, ben vous tapez par exemple le nom du livre que vous êtes en train de chercher, vous mettez FileType:PDF et ça va aller chercher tout ce qui est e-book et livre électronique, mais ça ne va vous ramener que les documents qui sont en PDF. Si vous cherchez plutôt par exemple quelque chose en PowerPoint, vous cherchez une présentation PowerPoint, un modèle de présentation PowerPoint, ben vous écrivez le sujet, vous mettez FileType:PPT et puis ça va vous sortir des fichiers en PowerPoint. Donc vous voyez que mesdames et messieurs, au lieu de taper ce que vous êtes en train de chercher, et puis maintenant vous allez fouiller dans tous les documents, toutes les pages HTML, ensuite chercher les documents Word, ensuite chercher les documents PDF, etc., etc. Directement en mettant cette commande-là, vous arrivez directement sur le type de document qui vous intéresse. OK? Voilà, Google permet de trouver un type de fichier en particulier. Google permet également de trouver un site, de trouver une information sur un site en particulier. OK? Donc, par exemple, si vous êtes en train de chercher quelque chose, vous avez vu une information sur un site en particulier, mais vous tapez le mot que vous avez vu sur le site en particulier. Par exemple, si moi je veux trouver le rapport trimestriel de la performance des opérateurs télécoms sur le site de l'ATCI. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais aller taper rapport, espace, et puis je tape site, S-I-T-E,
si deux points et puis je mets ATCI.CI. OK? Donc, si je tape rapport, espace site, deux points, ATCI.CI, en fait, Google ne va faire la recherche que sur le site de l'ATCI et va m'envoyer partout, il va trouver le mot rapport. Donc, vous gagnez énormément de temps plutôt que d'aller chercher, en fait, le nom du site. Et puis, c'est vous-même qui allez chercher mot après mot, page après page, ce que vous êtes en train de chercher. Non, c'est pas efficace. OK? Donc, voilà une autre stratégie que vous pouvez utiliser en utilisant le Google. Par exemple, Google vous permet de trouver des images. Il y a un onglet image, tout le monde le connaît, etc., etc. Mais également dans les outils de recherche, vous pouvez spécifier la taille de l'image que vous cherchez, la couleur de l'image, le type de l'image. Souvent, pour certains, ils ont besoin d'images en PNG, etc., etc. Également, il y en a qui ont besoin des images qui sont libres d'utilisation. Mais Google vous permet de faire tout ça. OK? Voilà. Le nombre de résultats par page. Généralement, la majorité des gens gardent leurs résultats sur leur page Google avec seulement 10 résultats. Non. Au lieu de cliquer 10 fois pour arriver jusqu'à la page 100, ben, vous pouvez simplement modifier les paramètres de recherche et puis aller taper directement sur 100 sur les paramètres de recherche. Et vous allez avoir 100 résultats en une fois au lieu d'avoir 10 résultats par page. Okay? Et puis ensuite, vous pouvez également configurer pour que lorsque vous cliquez sur un lien, ben, ça ouvre directement dans un nouvel onglet. Donc, vous avez votre feuille de recherche et vous avez les onglets de résultats. Okay? Mais ce que tout le monde fait, c'est que sur l'onglet de recherche, ils cliquent. L'onglet de recherche se ferme. Ils vont sur le site. Après, ils vont faire « back » pour retourner sur la page. Ensuite, ils vont cliquer « non ». Ce n'est pas efficace. OK? Donc, comment est-ce que vous faites ça? Vous allez dans les paramètres de recherche et vous faites… Et vous cochez l'onglet « ouvrir dans un nouvel onglet ». Dans les paramètres de recherche, vous cliquez « ouvrir dans un nouvel onglet ». Automatiquement, ça va faire ça. Ou alors, lorsque vous voyez un lien qui est intéressant, vous faites un clic droit pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. OK? La méthode que moi j'utilise lorsque je suis en train de faire des recherches, en fait, j'ai deux étapes. J'ai l'état de recherche et j'ai l'état de lecture. OK? Donc, quand je suis dans l'état de recherche, je vais rapidement parmi tous les résultats pour regarder quels sont les résultats qui m'intéressent. Et quand ça m'intéresse, je clique dessus pour que ça s'ouvre dans une fenêtre à part. Quand j'ai fini de regarder, je ne vois plus aucun résultat qui m'intéresse. Cette fois-ci, maintenant, je passe sur chaque onglet pour essayer de lire et voir si je trouve quelque chose d'intéressant là-bas. OK? Donc, c'est ce que j'appelle mode recherche et puis ensuite mode lecture. Vous ne pouvez pas être sur Google à la fois en mode recherche et en mode lecture. Vous perdez du temps. Non. Essayez d'être en mode recherche. Tac, 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 tac. Voici tous les éléments qui m'intéressent. Je vous assure des pages et puis après ça, je passe en mode lecture. Quand je vais en mode lecture, je regarde est-ce que je trouve l'information. Si je trouve l'information, tant mieux. Si je ne trouve pas l'information, je ferme toutes les fenêtres additionnelles qui sont ouvertes et je retourne sur ma fenêtre de Google et ensuite je vais affiner ma recherche. OK? Voilà. Souvent aussi, peut-être vous avez besoin de trouver des noirs. Vous avez besoin de trouver des noirs. Donc, comment trouver des noirs sur Google? Ben, vous tapez la profession que vous êtes en train de chercher. Vous tapez la commande African American. Quand vous tapez African American, après tout ce que vous êtes en train de chercher, ça va vous donner des photos de noirs. OK? Ou alors, vous pouvez aller sur le site madamenoir.com, etc., etc. Voilà un peu ce que je voulais dire sur Google au niveau de savoir chercher. Et puis, au niveau des autres usages, par exemple, Google, on peut l'utiliser comme calculatrice. Donc, ce n'est pas la peine de prendre votre téléphone et puis de commencer à utiliser la calculatrice. Et puis, vous avez une notification et puis, paf, vous êtes perdu sur votre téléphone. Non, vous pouvez dire, utiliser Google comme une calculatrice. Vous tapez toutes les opérations que vous voulez. Mais Google va calculer ça pour vous. OK? Vous pouvez également utiliser Google comme un traducteur. Donc, c'est quoi la syntaxe? Vous écrivez, par exemple, traduit X en Y. Donc, je peux dire, par exemple, traduit quand est-ce que je pourrais avoir mon bon de commande en anglais. OK? Donc, quand tu tapes la commande traduit, tu écris traduit, ensuite tout ce que tu écris après, comment est-ce que je vais avoir mon bon de commande? Et puis, vous mettez un et puis anglais. Donc, automatiquement, Google va te faire la traduction pour te dire, voilà comment on dit, comment est-ce que je peux avoir mon bon de commande en anglais? Google le fait instantanément. C'est très important, surtout lorsque vous avez, comme nous autres, à faire des conversations téléphoniques avec des gens qui ne parlent que anglais. Donc, souvent, il est en train de te parler son anglais là. Donc, tu as envie de dire quelque chose, mais tu ne sais même pas comment tu as dit ça parce que tu n'as pas forcément le vocabulaire. Donc, automatiquement, tu es sur Google. Et donc, pendant qu'il est en train de te dire les choses, tu dis traduit temps. OK? Et donc, automatiquement, toi, Google, tu fais la traduction et puis tu commences à lui dire ça. Tu lui dis ça. Dès qu'il commence à te répondre ce que tu veux dire, tu traduis. Donc, on peut avoir des conversations qui sont relativement fluentes avec des gens qui parlent anglais ou allemand ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'on utilise intelligemment Google. Et la beauté dans tout ça, c'est que Google est gratuit. OK? Donc voilà, mesdames et messieurs, vous voyez qu'on n'a pas que 3 des 10 éléments qui sont très importants. 3 des 10 éléments qui sont très importants
dans votre quête de productivité. Ok? Voilà. Si vous avez appris quelque chose, écrivez oh yes dans les commentaires. Si vous avez appris quelque chose, écrivez oh yes dans les commentaires. Si vous avez appris quelque chose, écrivez oh yes dans les commentaires. Voilà. Alors, je vous ai partagé quelques-unes de ces stratégies et à ce stade des événements, vous avez deux options. OK? Vous avez deux options. La première option, c'est de regarder à nouveau cette vidéo et puis d'appliquer tout seul les 10 secrets que je vous ai donnés. Je vous ai montré un peu 3, OK? Mais il en reste beaucoup. OK? Essayez de recenser tout ça et puis vous-même faites vos recherches, allez sur Internet, cherchez des choses, cherchez des informations, etc., etc., compilez tout ça et puis ensuite commencez à appliquer. Ok? Ce que moi je vous ai synthétisé là, c'est le résultat de mes 15 ans d'années d'expérience pour avoir fait 7 multinationales différentes. Ok? Donc ça c'est l'option 1. Vous seul, ben, vous allez vous essayer de faire ça. C'est possible. Avec beaucoup de détermination, vous allez pouvoir arriver à maîtriser tous ces 10 secrets et à être extrêmement productif. Ça, c'est l'option 1. Le choix que vous avez, c'est-à-dire de partir puis d'essayer de faire tout ça tout seul. L'option 2, c'est de me laisser vous aider à accroître votre productivité, votre efficacité. OK? L'option 2, c'est de m'aider, me laisser vous aider à accroître votre productivité. Comment? Ben, si vous voulez suivre une formation productivité, OK? Vous pouvez approcher n'importe quel cabinet de formation qui travaille en productivité, en efficacité personnelle, pour les managers, pour les cadres, pour les directeurs, etc. La formation ne coûtera pas moins de 450 000 francs par personne. OK? Ne me croyez pas sur parole. Allez vous-même demander dans tous les cabinets. Vous dites, OK, moi, je suis un travailleur. Je veux vraiment devenir extrêmement productif. Donc, voilà les domaines. Je vais apprendre à définir mes objectifs. Je vais apprendre à déléguer. Je vais apprendre à faire ceci. Je vais apprendre à maîtriser Google. Je vais apprendre à gagner du temps en faisant ceci. Tous les petits secrets que je vous ai donnés là. Dites-le, voilà tout ce que je vais apprendre. Et puis, écoutez, quel est le tarif qu'ils vont vous donner pour la formation pour chaque personne. Le minimum qu'on va vous facturer, c'est 450 000 francs par personne. OK? Si vous voulez que ce soit un cabinet d'experts qui vous accompagne pour le faire. Mais je sais que tout le monde n'a pas les moyens de payer 450 000 francs. Voici pourquoi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle 10 secrets pour devenir extrêmement productif. Et dans ce bouquin-là, j'explique en fait les 10 étapes, les 10 secrets pour devenir productif. Comment bien définir ses priorités, comment bien gérer votre temps, comment négocier les délais comme un pro, comment accroître votre vitesse d'exécution, comment tirer le meilleur de votre équipe si vous en avez une, etc., 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 etc. Ce bouquin, il est déjà écrit, il est déjà finalisé, il est déjà prêt. Tout est écrit dans un langage simple, clair et direct. OK? Mais ce n'est pas tout. Au-delà de ça, vous avez également la possibilité aujourd'hui d'avoir un autre bouquin que j'ai écrit qui s'appelle « Briller en période de crise ». Dans cet ouvrage-là, vous allez apprendre l'attitude à adopter pendant les périodes de crise. Non seulement conserver son emploi, mais aussi obtenir une promotion à la fin de la crise. Quand la crise à coronavirus a commencé en mars 2020, il y a beaucoup de personnes qui se disaient que leur emploi était en sécurité. Mais non, les entreprises ont profité de cette crise du coronavirus pour se débarrasser de tous les employés qui n'étaient pas performants. Okay? Vous avez des gens qui ont été mis en chômage technique, alors que bon, normalement, l'entreprise n'avait pas forcément besoin de les mettre en chômage technique. Mais je peux vous assurer, pour être dans le milieu, que des centaines et des centaines d'entreprises ont profité de la crise à coronavirus pour se débarrasser de leurs employés non performants. Vous allez voir qu'il y a certaines entreprises qui ont mis des gens en chômage technique, et puis après la reprise, qui ont recruté de nouvelles personnes au lieu de rappeler les gens qui ont été mis en chômage technique. Mais à votre avis, pourquoi ça a été fait comme ça? Mais parce que ces personnes n'étaient pas performantes. Donc, quand intervient une crise, les entreprises cherchent à se débarrasser des employés qui sont les moins performants. Et vous devez avoir les méthodes, les stratégies pour pouvoir briller pendant cette période de crise. C'est une période où tout le monde est stressé, où on chasse, c'est comme la chasse aux sorciers, où la moindre erreur peut être sanctionnée par un renvoi, un licenciement. Lorsque votre entreprise passe par une période de crise, comment est-ce que vous devez briller? Comment est-ce que vous devez exceller en termes de productivité et d'efficacité? Au point où même si on doit licencier 9 personnes, vous ne serez pas la 10e personne licenciée, mais vous seulement, on va vous garder. OK? Tous ceux également qui vivent des tensions au bureau parce que bon, c'est difficile avec le sport hiérarchique, etc. Vous devez absolument lire cet ouvrage. Je l'ai écrit, il est disponible. Vous avez encore le choix. Allez chercher tout ça par vous seul ou alors prendre le bouquin et le lire. Et puis enfin, le troisième bouquin que je vous propose aujourd'hui, c'est gagner en importance en entreprise. OK? Votre efficacité, votre productivité ne seront inutiles si vous ne savez pas comment devenir important dans l'entreprise. OK? Et le mot important, il est très important. Je n'ai pas dit de devenir indispensable. Okay? Parce que quand vous devenez indispensable, on va vous maintenir un poste. Même si vous avez la capacité d'aller à un poste supérieur, on va vous maintenir à ce poste parce que vous êtes indispensable à ce poste. Donc, le truc, ce n'est pas de devenir indispensable à un poste. Il faut devenir incontournable sans être indispensable. Il faut devenir important sans être indispensable. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une nuance qu'il faut comprendre et tout ça est déjà expliqué dans ce bouquin.
OK? Et c'est quand vous allez devenir important que vous allez pouvoir passer à une position de manager, c'est ce que vous cherchez depuis longtemps. Alors, mesdames et messieurs, voilà un contenu de haut niveau pour toutes ces personnes-là qui veulent accéder à des positions supérieures, qui veulent améliorer leur productivité et leur efficacité. Normalement, le contenu de ces trois bouquins va coûter beaucoup plus que 450 000 si vous deviez aller demander à un cabinet de vous former sur toutes ces choses. OK? Voilà. Mais aujourd'hui, de façon spéciale, vous n'allez pas payer 450 000 francs pour avoir ces trois bouquins. Je vous propose de payer seulement 25 000 francs pour pouvoir avoir ces trois bouquins. Alors, ce sont des bouquins qui sont en version électronique que vous pouvez télécharger immédiatement dès que vous avez fini votre paiement. OK? Donc, je crois que c'est la meilleure offre possible par rapport à ce domaine de la productivité. C'est, vous avez suivi la vidéo, vous avez vu concrètement tout ce que j'explique et je vais dans beaucoup plus de détails dans les ouvrages et vous allez voir que vous allez vraiment adorer. Pour seulement la modique somme de 25 000 francs. Et si ça ne suffisait pas, pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir ce bouquin-là, j'ai décidé encore de diviser le prix par deux et vous ne paierez aujourd'hui que seulement 12 000 francs. Et ce tarif promo de 12 000 francs, mesdames et messieurs, c'est un tarif promo qui est valable seulement 24 heures. Donc, vous avez le choix de vous décider et profiter de cette promo ou alors vous avez le choix d'attendre parce que le tarif va remonter. Et pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que quand je dis que je remonte mes tarifs, je remonte mes tarifs. Donc, aujourd'hui, vous avez la capacité d'avoir ces trois ouvrages pour seulement 12 000 francs CFA. OK? Comment faire pour pouvoir acquérir ces trois ouvrages? Bien, vous allez simplement sur le site next.system.io/prod. Next.system.io/prod. Et vous allez pouvoir télécharger ces ouvrages là-bas après votre paiement est sûr. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs, et puis prendre des questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour ceux qui veulent... acquérir la formation, ben, le lien est simple, next.system.io/prod. OK? Voilà. Je vais prendre maintenant, pour les 7 minutes qui suivent, je vais pouvoir prendre vos questions si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons dit? Est-ce que vous avez des questions sur, sur les ouvrages que je vous propose? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de les poser. Pendant les 7 minutes qui arrivent. Alors, voici le lien. Écris le lien dans les commentaires pour ceux qui le veulent. Voilà, donc j'ai posté le lien. OK. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par cette formation? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ces trois ouvrages? Si vous êtes intéressé par ces trois ouvrages, mesdames et messieurs, écrivez simplement intéressé dans les commentaires pour que je puisse vous voir. OK. Je vais vous voir et puis je vais vous envoyer le lien et puis vous allez pouvoir vous inscrire. Voilà. C'est un tarif promotionnel extrêmement agressif, mais simplement parce que je veux que le maximum d'entre vous arriviez à devenir extrêmement productif. OK, alors j'ai quelques commentaires. Il y a Prof Zen qui dit, pas de questions, juste que tous vos conseils hautement de qualité, les ayant expérimentés à mon niveau. Merci beaucoup. Hugues Bougnon, est-ce qu'il y a une version audio? Non, Hugues, il n'y a pas encore de version audio de ces bouquins. Voilà, Pierre-Stéphane Ado qui est intéressé. D'accord, toi, il faut qu'on règle ton problème d'achat en ligne hein, parce que ta carte ne passe pas souvent. Mais bon, on va trouver la façon. Alors, on a Edwin Assobavi qui est intéressé. C'est super. Je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. On a Sidoine Kwaku qui est intéressé. C'est super. On a Céleste Conan qui est intéressée, c'est super. On a qui encore? On a Désiré Kamana qui est intéressée, c'est super. On a Soro Dodjibril qui est intéressée. Waouh, c'est super. Toutes ces personnes qui sont intéressées, par les ouvrages de la vidéo. D'accord, Amindia également intéressée. Alors, Conan Béranger dit une question. Comment réagir lorsque malgré la priorisation des tâches, on n'arrive pas à finir les tâches parce que les tâches sont trop? Ça veut dire que c'est une bonne question.
C'est une bonne question. Mais la réponse à cette question, en fait, appelle une autre question pour moi. Est-ce que tu n'arrives pas à finir les tâches parce que les tâches sont trop pour une seule personne? Ou alors, est-ce que tu n'arrives pas à finir les tâches parce que le délai dans lequel tu dois finir, mais c'est un délai qui n'est pas raisonnable? On va traiter les deux cas. Le premier cas, on va supposer que tu n'arrives pas à finir les tâches parce que les tâches sont trop abondantes pour qu'une seule personne puisse les finir. À partir de ce moment-là, toi, ton travail, c'est de demander le recrutement d'une deuxième personne. OK? Et comment tu vas justifier qu'on a besoin de recruter une deuxième personne? Mais tu leur dis, regardez, je n'arrive pas à finir. Et ce n'est pas que je ne viens pas vite, je ne parle pas de temps, mais je n'arrive pas à finir. Il nous faut une deuxième personne. Le fait que moi, je suis en train de traiter deux jours après des commandes qui sont arrivées il y a deux jours, ça fait qu'on perd des ventes. Et l'entreprise ne peut pas croître. OK? Si on veut que l'entreprise puisse croître vraiment, il faut qu'on recrute une deuxième personne. Et en mettant la pression comme ça, en démontrant par des faits qu'effectivement, on a besoin de recruter une deuxième personne, finalement, la décision de recruter une deuxième personne va se faire. Et vous allez pouvoir avoir une personne qui va venir travailler avec vous. Initialement, généralement, ce que les entreprises vont valider, c'est que vous pouvez, ils vont valider un stagiaire qui va venir travailler avec vous. Ça, c'est la chose la plus simple à valider. Donc, ils vont valider un stagiaire qui va venir travailler avec vous et vous allez pouvoir finir toutes les tâches dans la même journée. Ça, c'est dans le cas où les tâches sont trop pour une seule personne. Maintenant, imaginons que, en fait, c'est parce que le délai pour finir là, est trop court. Donc, si le délai pour finir est trop court, ben, vous devez aller clairement démontrer à votre supérieur hiérarchique que dans ce délai, on ne peut pas finir. Et on peut finir, mais on ne va pas finir en 15 minutes, on peut finir en 45 minutes. Donc, au lieu de vous donner un délai de 15 minutes, il faut donner un délai de 45 minutes. Dans les deux cas, vous devez remonter vers votre supérieur hiérarchique pour lui poser la question. La solution, ce n'est pas de se tuer au travail, d'être malheureux, d'être nerveux, d'être aigri à son poste. Non. La solution, c'est soit de faire recruter quelqu'un d'autre, soit de négocier un meilleur délai. Est-ce que je réponds à la question? Conan Béranger dit. Est-ce que je réponds à la question? OK. On va supposer que je réponds à la question. Alors, on a IBXP Forever qui est intéressé. C'est super. Sidon Kwaku, est-ce qu'il y a une version physique? Non, il n'y a pas encore de version physique. Mais on va y travailler. Jean-Rudel Kwame est intéressé. C'est super. Lasso est intéressé. C'est super. Conan Béranger est intéressé. C'est super. Kevin Nusson Kwadu est intéressé. C'est super. Raphaël Amelan, qui a une question. Les ouvrages ne sont pas en version support? Si oui, je suis intéressé. Je ne comprends pas. En version support, c'est quoi? Les ouvrages sont en version électronique. OK? Les ouvrages sont électroniques. Isaac Seka, est-il possible de faire le paiement par Orange Money et aller faire le téléchargement sur le site? Oui, c'est possible. Dès que vous finissez votre paiement via Orange Money, via Wave, OK? Vous me contactez sur WhatsApp, je vous envoie le lien pour aller télécharger les bouquins. OK? Voilà, Thierry Mobio qui est intéressé, c'est super. Conan Béranger qui dit oui, j'ai bien répondu à sa question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, mesdames et messieurs? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Si vous n'avez plus de questions, je vais juste rappeler l'offre exceptionnelle de ce jour. Vous avez la possibilité d'avoir non seulement les 10 secrets pour devenir extrêmement productif, mais également une deuxième formation qui s'appelle Briller en période de crise, qui est très, très importante, surtout à cette époque où nous sommes tous en train de nous adapter avec la crise du changement, quand même le coronavirus. Comment s'adapter? C'est vraiment très, très important. Comment briller en période de crise? C'est très, très important pour vous de le savoir. Et puis également, comment gagner en importance en entreprise? Parce que vous êtes productif. Il ne suffit pas juste d'être productif, mais il faut pouvoir gagner en importance. Et c'est cette productivité-là qui va vous permettre d'avoir la croissance, la promotion que vous êtes en train de chercher. OK, alors, Edwin a une question. VK, as-tu une version Excel de la matrice de gestion du temps en Excel? Non, tu n'as pas besoin de la matrice de gestion du temps en Excel. Tu as juste besoin d'un fichier Word pour le faire. Mais bon, tu peux trouver, c'est la matrice de Eisenhower, OK? Je vais écrire ça dans les commentaires, matrice de Eisenhower, Eisenhower. Tu tapes sur Internet, matrice de Eisenhower, tu vas voir, ça va sortir. C'est comme ça que ça s'écrit, matrice de Eisenhower, OK? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. J'ai été très heureux de partager cette formation de haut niveau avec vous. La productivité est extrêmement importante dans les entreprises. La productivité est le secret qui va vous permettre d'occuper les positions élevées en entreprise. Jamais je n'ai vu un gars à monter à une position très élevée hiérarchiquement sans être extrêmement productif. OK?
Tous ceux qui sont montés sans être productifs sont redescendus à un niveau plus bas avec beaucoup de fracas. Mais ceux qui sont montés et qui se sont parfaitement maintenus à leur position, ce sont toutes les personnes qui ont développé la productivité. Je vous encourage fortement, fortement à profiter de cette promotion. Le tarif de 12 000, il est valable seulement 24 heures. Et après ça, on va repasser à un tarif de 25 000. Donc, si vous voulez en profiter, c'est maintenant qu'il faut le faire. Sur ce, le lien pour commander, c'est next.system.io/prod, next.system.io/prod. Inscrivez-vous et puis profitez de cette promotion. Bonne soirée, Dieu vous bénisse, bye bye.